Mais je pense qu'une chose qui est importante, c'est quand même de partir du constat ensemble, et ce qui permet aux parents de comprendre pourquoi c'est vrai qu'au XXIe siècle, quand on habite à 800 mètres d'une école, c'est absolument, je ne sais pas quel mot, aberrant, que de ne pas encourager les enfants à aller à pied, à condition que vous créiez, vous, les conditions, que les enfants, évidemment, puissent y aller en toute sécurité. C'est la même chose pour le vélo. Ça, c'est le rôle des élus, n'est-ce pas, de créer les conditions, évidemment. Mais ce n'est pas facile de faire cette démarche-là, parce que depuis, on va dire, allez, un siècle, et surtout depuis 60 ans, on nous a dit qu'on était moderne quand on s'est passé en voiture. Donc je connais plein de villes, on va prendre sa voiture pour faire 300 mètres à chez ses baguettes de pain, n'est-ce pas ? Et après on s'étonne qu'on a des cancers, qu'on a des obèses, qu'on a des problèmes de santé, on ne marche plus, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment une question d'information, c'est tout simplement, hein, et ensemble de se dire on passe à autre chose.